Hey Cucu YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en live sur Twitch actuellement où on m'a prêté un petit défi pour la première soirée défi Sims, puisque c'est un petit concept que j'ai lancé. Et ben on m'a lancé un petit défi, c'est de créer un couple à la Tim Burton. On va savoir si je vais les réussir, mais en tout cas je vais m'y mettre. Une fille, un gars à la Tim Burton, en gros c'est style cadavérique avec des gros yeux et des vêtements d'époque, donc je pense qu'on a tout ce qu'il faut dans les Sims pour pouvoir réussir. Alors, on va enlever le maquillage déjà parce que ça va pas, ça on va enlever et ça on va enlever. Je vais tout enlever, c'est cette demoiselle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire des yeux énormes parce que c'est le style Tim Burton. Juste la taille. Après ils ont des yeux... Ah ouais, ça fait quand même gros yeux mais pas trop. Dans ce cas-là, je vais faire un visage beaucoup plus petit avec un nez tout petit, tout ça pour accentuer le côté des yeux énormes en fait. Parce qu'on peut faire un tout petit nez. Mais un petit nez mignon parce que les personnages ils sont pas moches. Ils sont juste très maigres, cadavériques. Bon, déjà j'aime pas son nez. J'aime pas la boule que ça fait au bout. Ça c'est très bien, c'est un nez normal, un nez... voilà. J'ai l'impression qu'on peut pas tant modifier que ça les bouches et tout ça. Sauf si je fais la toute petite bouche comme ça peut-être. Je peux pas faire plus petit au niveau du nez. Bon, je lui enlève son côté un peu regard triste, mais au niveau de la taille des yeux, là, on est sur quelque chose, hein, quand même. Je peux réduire encore son nez comme ça. Ok. Elle me fait peur, mais... Ah! On dirait une alien. Ah oui, son mono, on est d'accord. Alors, couleur de peau. Est-ce qu'on fait un peu... Oh là là... Oh là là, oh là là. On va faire la même chose que sur pour le film. Je sais même pas si elle a des sourcils. On peut ne pas en mettre, je crois, ouais. Alors, clac. Et clac. Madame, vous allez être cadavérique, hein. Vous aurez les bras les plus fins du monde. Oh mon dieu, mais je suis en train de faire un alien. Je suis en train de faire un Asgard. Tel Stargate SG1. Là, je trouve que ça me fait moins flipper. Alors, si on fait à la Tim Burton... Est-ce que je copie Tim Burton ou je ne copie pas? Non, la meuf, elle va s'écrouler. Tu lui mets un truc sur la tronche, elle tombe direct, tellement elle est queuse, quoi. Je voudrais pas être responsable de sa mort. On va pas lui mettre de blush, ça sert à rien. À ce compte-là, elle est déjà très, très creusée, la pauvre. Ah, c'est ça que je voulais, détail de la peau. Ah, c'était ça? Ouais, ça peut lui donner un peu de chien. Alors, je sais qu'elle a une belle robe et tout. C'est pas cette robe-là que je voulais mettre. Par défaut, on mettra ça, hein. Voilà, on va te mettre des gants. Voilà, bleu ou noir d'ailleurs. On peut les mettre noirs, ouais, ça donne plus un peu plus de cachet. C'est pas ce à quoi j'espérais, je vais pas vous cacher. Hein. Je pensais que j'arriverais mieux que ça, mais bon. Ma propre déception est intense. En vrai, le petit truc de perles, ça me va, je trouve. Bon, voilà pour ma Josiane. Quoique non, je vais essayer de mettre du... Voilà, elle a pas de sourcils, hein. Je lui ai pas remis des sourcils. Hein. Je vais voir si elle a du fard à paupières. C'est pas mal. J'aime bien avec ça. Est-ce que cette première demoiselle vous plaît? J'aurais bien mis une autre coiffure, mais le truc c'est que je veux qu'elle ait quelque chose dans les cheveux. Et c'est vrai que les fleurs, il n'y a que cette coiffure-là qui passe en fait. Parce que si on essaye de faire à la Tim Burton, il faudrait que je lui mette les cheveux longs à la fac. Ah, mais ils sont là. C'est mieux. Elle est vachement mieux! D'un seul coup, là, j'ai l'impression de voir les photos qu'on a regardées. Mais j'aurais voulu qu'elle ait quelque chose sur la tête. C'est trop nul qu'on ait pas une couronne de fleurs. Un truc qui soit à part. Bon, bah, Josiane, elle restera comme ça, hein. On va lui faire son mari. Part de loin avec lui aussi, hein. Ah, la gueule! On dirait qu'il a envie de se suicider. Du taf aussi avec toi, Jean-Claude, hein. Parce que lui, ça va être le même délire, hein. Il va avoir un tout petit nez, mais une grosse visibilité. Et encore, là, il fait pas peur, parce que il a pas encore le teint cadavérique. J'arrive plus à remettre les yeux. Comment ça fait peur? Ah! Non, pas really. Il est horrible. Mais qu'est-ce que je fais? Mais que fais-je? Il est content, hein. Yeah. Tu veux faire la gueule déjà?
Et tu, je veux pas que t'aies des yeux rieurs. Alors malheureusement, il sera tout queux, ça. T'es pas au bout de tes surprises, toi. Voilà, mon petit Jean-Claude. Tu vas te dessaper maintenant qu'on voit un peu le matos, hein. Comme on aime les fesses ici, on va quand même lui remettre un peu de cul, parce qu'il faut tâter la marchandise, évidemment. Il a pas les cheveux plus dans le film. Je pensais qu'il a à peu près... Ouais, c'est ta... C'est pas ça, plutôt? Je vais t'amaigrir un petit peu encore, mon coco. C'est la marque Tim Burton, hein, c'est tout des... Y a pas de place à la graisse, là-bas. Ah oui, ah non, c'est les cheveux en arrière qu'il a. Avec ses yeux comme ça, il est flippant. Ah, il va vous hanter ce soir dans vos rêves, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous allez en faire des cauchemars. Hein. Oh, il viendra vous titiller les bouts des pieds, là. Je vous conseille pas de dormir tout seul. Hein. Ça? Parce qu'il a comme une raie au milieu aussi. Il y a une partie qui enfin, tout tient pas, ne tient pas non plus en arrière. Hein. Ah, puis il a le menton vachement plus pointu. Bah, les cheveux, c'est pas mal comme ça, je trouve, en vrai. Je sais que le monsieur, il en a pas de cicatrices, mais j'ai envie de lui en foutre sur la gueule. On peut essayer de faire quelque chose. C'est celle-là qui a. Je trouve que ça lui rajoute un petit peu de caractère. Ouais, je trouve aussi que maintenant il ressemble à Johnny Depp. C'était pas le but. Je vais avoir réussi à faire un Johnny Depp sans le vouloir. C'est ça qui est magnifique. Je suis en train de me mettre un truc en tête. Chemisier, mon petit chemisier de dame. Emmerdationné parce que je trouve pas ce que je pensais trouver. Ah, c'est là. Oh. Bon. Bon, au niveau couleur, on est... Kif kif bourricot. Hein. Bon, alors du coup, question. Cette couleur-là ou cette couleur-là? Oh, quoique, ça, c'est pas mal en vrai. J'ai rien dit. C'est bien, ça. Du coup, c'est Sally, c'est ça? Qu'est-ce qu'on va mettre? Et Jack. C'est quoi leur nom dans le Noces Funèbres? Eh, mais elle a un rouge à lèvres rose. Vous m'avez pas dit ça. C'est pas bleu, hein, c'est rose ce qu'elle a. Émilie et Victor. Ah, moi, je savais pas. On va les marier, hein. Les aspirations et les traits, et après ce sera fini, je pense. Âme sœur, ouais. Lui, il me fait flipper avec ses yeux. Elle est marrante. En fait, sans les cicatrices, ça fait dessin animé. Et lui, c'est quoi son souhait dans la vie? Devenir riche? Bourlinguer de la femelle? Émilie et Victor sont donc été créés. Et bien, c'est un petit couple que je vais donc garder de côté. Et que je partagerai sur la galerie. Et ben écoutez, à la diffusion, putain, ils font peur. Wow. Ils font peur. Parfait. Je les partagerai à la diffusion de cette vidéo. En vrai, plutôt pas mal. Okay. Et moi, je vous remercie YouTube d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si les Sims vous plaisent et si vous pensez que j'ai réussi le petit défi. En tout cas, voilà. Et ben nous, on continue à jouer et vous, on se retrouve pour une autre vidéo. Salut !